J'ai sauvé. Tu m'as pas sauvé la vie, t'as Je vais voulu aller enfermer, comme couillon. Allez, va, vole. Allez, Non! envole-toi. Allez, salut. Salut. Je t'ai toujours aimé. Salut à tous, c'est Salut. Argbo. On se retrouve en compagnie de Giga53 sur Cyril Greenberry. Bonjour. Désolé déjà. Salut. Bonjour, désolé pour le Bonjour. retard. J'ai eu vraiment beaucoup de Salut. problèmes de Bonjour. record. Là, je suis mort en fait la dernière fois. C'est pour ça que vous me trouvez ici. Donc, bon, on va commencer l'aventure et se séparer. Moi, je vais rester Oui, moi. ici du coup. Et lui, il va se barrer très Oui. loin. Allez, va-t'en, vole. Donc, on se retrouve après notre bâtisse. Enfin, non, il y a rien en fait. Notre trou à rats. C'est même pas un trou à rats. C'est tellement verdi. Ça peut pas être un trou à rats. Ouais, il faut quand même garder une pomme pour pomme de notre chocaou. Donc là, je m'étais fait des plantations, donc des carottes. Et on a aussi du. Non, on n'a pas de blé. Faut que je mette du blé d'ailleurs, du coup. Donc, les seeds, on a les graines et on va se mettre du blé. Voilà, du blé par. Putain, non! La deuxième main. Oh non! Ah oui. Est-ce qu'on a mis World Edit? Non, je l'ai pas mis au moins. Parce que sinon, il y a un problème avec la hache en bois, du coup. Dès qu'on est en survie, ça fait pareil que dès qu'on est en créa. Oh GG. On va voir qui va mourir le plus. Ah, putain, un squelette. Viens là, un squelette. T'es où? Là. Oh, merci. Je sais pas ce qu'il m'a donné. Une flèche, une seule, je crois. Une seule flèche, putain, mais c'est un radin quand même. Ils sont radins, les squelettes de nos jours. Regardez, j'ai combien de flèches? J'ai 8 flèches. J'ai tué pas mal de squelettes, j'ai 8 flèches. Toi, tu vas crever. Ah, oh, merde. Ouais, bon, il est mort, mais il a rien loot. Du coup. Oh, pff. Le meuble là qui a volé. I believe I can fly. Oh putain, mais faut que j'arrête de foncer sur les mobs. Je meurs tout le temps. Donc, là, on a une hache. Voilà, on va reprendre notre hache. On va quand même enlever ce panneau parce que c'est totalement faux. C'est pas parce que je suis nul qu'il y a Keep Inventory. Même si tout à l'heure je l'ai dit, c'est faux. Oh l'enculé! Slash clear gaga furnace. Voilà, on se regive un four. Parce que. Il m'a volé mon four tout à l'heure! Précédemment. Oh, je vois un four. J'ai là-bas. J'ai vu un four là-bas, j'y vais. Ce mec n'a pas de race! Il m'a volé mon four, donc bah. Logiquement, je lui enlève son four de son inventaire pour le mettre dans le mien. Bon, il manque le plugin pour l'ouverture d'inventaire, mais je pourrais très bien le mettre, comme ça je pourrais me servir dès qu'il me vole des choses. Bien sûr, je serais pas malhonnête, non. Non, vous me connaissez trop pour dire que je suis malhonnête dès qu'il s'agit de cheat. You serious? Bon, j'ai envie de foncer tout droit en bas. On n'a pas assez de bouffe! Qu'est-ce qu'on a comme bouffe? Oh putain, me dites pas que j'ai que ça. Viens là, petite vache, ouais, toi qui as voulu voler tout à l'heure. Tu vas mourir. Voilà, merci. En plus, on a du cuir. Faut bouffer. On bouffe du lapin cuit. N'empêche, c'est quand même plat et dégueulasse ici. Tiens, il faudrait l'améliorer. Mais je suis pas très bon en build, donc faudra pas m'en vouloir au début si c'est de la merde. Si c'est encore pire que là, faudra pas m'en vouloir. Donc, allez, go, 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 go. Moi, je vais en mine. L'escalier est un peu long quand même. Et pas pratique du tout avec deux blocs de hauteur. Mais je vais mettre les trois blocs de hauteur bientôt. Donc, le zombard, tu vas crever, il nous faut du diamant. J'ai toujours pas de diamant. Barre-toi de mon chemin, bordel. Allez, on mine à accouchons. Seule manière vraiment très rentable de le faire. Donc là, on prend de la pierre en fait. Parce qu'avec le bois, ça va cramer. Et c'est pas le but recherché. Là, il fallait que j'ajoute le scoreboard de vie. Donc, faut qu'on fonce là-bas. On a une pioche vraiment de merde. Mais on va quand même trouver le diamant chéri. Et on pourrait peut-être prendre de la redstone aussi. Mais ça va pas me servir dans l'immédiat. D'ailleurs, j'ai un guide de construction. Oui, je me suis acheté un guide de construction pour faire des constructions et m'entraîner. Parce que je suis une merde en construction. Je sais pas si vous avez vu une de mes constructions. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas fait en fait. J'en ai montré aucune parce que j'ai tellement honte de mes constructions. New Recipes Unlocked, ça c'est cool. Et là on va prendre tout ce charbon. J'entends un zombie. Non, là il est bien plus proche. Là c'est plus proche. Là si on va par là, non c'est pas ici. Et se prendre la redstone d'abord. On a combien?
35, 36, ça monte. Ça va, c'est cool, on pourra faire des bons systèmes en redstone. Pas maintenant, mais plus tard. Donc, le diamant, je vais faire une élite jusqu'à ce que j'en trouve ou que je trouve un truc intéressant. Oui, bah oui, il y a un don. Ah, nice! Oh, mais c'est cool ça, on a un donjon. Enfin, on a un spawner. C'est merveilleux, putain. Spawner à squelette. C'est trop cool, on a plein de flèches à avoir. Donc, on pourra l'optimiser. Je vais mettre, bah du coup, le panneau spawner à squelette. Et du coup, on va par là. On l'a pas croisé, c'est bon. Donc, vous voyez, luminosité énorme, mais il y a plein de mobs qui vont spawn vu que je mets pas de luminosité, c'est juste que je mets le FOV. Enfin, le ga pardon, c'est le gamma comme on avait dit. Je vais mettre le gamma, bah, je mets le gamma, lumière 10.0 pour pas le voir tellement sombre. Ok, c'est. Ah ouais, c'est dans une grotte le truc en plus. Donc il faut peut-être faire un accès à la surface aussi. Donc je vais faire un accès à la surface et je vous retrouve. Oh putain, putain, putain. Pardon. Oh là 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 là, ça perd l'hippopète. Crève. Oh putain. Je lui ai foutu un coup, il est mort. Alors la grotte, bah on a la masse de. Ah non, 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 j'ai pas envie de mourir, non. Non, 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 non. Non, non, je vais. Non, je remonte. Je me suis trompé d'endroit, désolé. C'est par ici qu'on monte. Je sais pas s'ils vont se ramener jusqu'ici. Non, non, c'est bon, ils se ramènent pas. Enfin, j'espère qu'il va pas se ramener. Du coup, on n'a pas eu de diamant en fait. Mais on est tombé sur un spawner à squelette, donc ça c'est plutôt cool. Et là, je suis en train de miner pour remonter à la surface et voir où est-ce que ça mène. Parce que sinon, je vais me paumer avec toutes les grottes. Comme vous avez vu, là, on était dans une première grotte. Ensuite, on a trouvé une autre grotte. Ensuite, une autre grotte en voulant sortir. Donc, c'est le bordel. Donc, il faut vraiment s'organiser et puis trouver où est la surface. Là, on y est bientôt. Couche 56. On va bientôt arriver en haut. On est quand même dans une montagne, je pense. Ah non, même pas. Donc, je vais mettre des torches. Je pense que c'est là-bas l'endroit où j'étais. Sinon, on a les coordonnées. J'ai mis les coordonnées. On avait le TP 123-423. Bon, en plus d'être un piètre constructeur, je ne sais pas me retrouver, je suis mauvais en orientation, même dans Minecraft. Quelle quantité de défauts. Je sais pas si on va en trouver d'autres. Je pense. Oh, des torches. Oui. Donc là, on s'en bat les couilles de ces torches-là. Donc là, on revient en arrière, on va retourner sur notre mine avec notre spawner qu'on va pouvoir optimiser pour avoir un maximum de flèches. Voilà notre trou. On va redescendre. Ah bah voilà, ma vie a été actualisée dans le scoreboard aussi du coup. On s'en bat les couilles du squelette, de toute façon on a un spawner nous. Et puis ça sert à rien de le tuer. Il est sympa de toute façon, je sais, il a un bon fond. C'est mon ami Roger. Voilà, il y a un creeper qui me poursuit en plus derrière, donc c'est pas très accueillant. Non, il poursuit plus. Creeper. Voilà, ce creeper là derrière. Il me poursuivait, le saligo. Il a failli m'exploser la figure. Je crois que c'est lui qui a failli m'exploser la figure. Peut-être que c'est un autre. Mais on peut le dire, c'est des enculés, les creepers. Je ne sais pas s'ils méritent d'exister. On va aller vers l'autre endroit, donc la position B. Donc notre maison. Enfin, notre maison, notre trou à rats. Excusez-moi. Je peux pas mettre la définition de maison à ce que j'ai fait comme trou à rats. Ce n'est pas une maison, c'est juste une mine. Une mine où j'ai posé un lit, j'ai dit c'est une maison. Oh, un zombie villageois, putain. Faut essayer de l'enfermer, donc bah tu vas essayer de me poursuivre. Non, putain, c'est toi. Coucou Roger. Ouais, je suis en train de marcher. Bon allez, poursuis-moi du coup. Il va mettre longtemps à traverser la rive, donc. On va pouvoir se poser ça pour faire des enclos. On en fait un max. Voilà, il se rapproche assez lentement. Là, on a des portillons normaux. Ah, coucou. Voilà, recule un peu. D'ailleurs, oui, on peut essayer de le bloquer carrément pour pas qu'il puisse monter. Comme ça, tu vas essayer de monter, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il est un peu con, vu qu'il pourrait très bien faire le tour. Mais les zombies, ils sont un peu cons. Voilà, nos portillons. Il faut l'enfermer en sous-sol. On va juste creuser un truc pour le moment. On va, ouais, on s'écarte. On s'écarte, faut s'écarter. Crève. Va pas lui exploser la figure. T'as pas intérêt à tuer mon premier zombie villageois. T'as pas intérêt. Oh putain, il a failli le tuer. Ah, oh, je suis mort. Heureusement que j'ai mis un respawn au lit avec les items. Mais à la limite, de toute façon, ça aurait été juste à côté. J'aurais pu récupérer les items. Non, me dis pas que Roger est mort. Roger! Roger! T'es pas mort, non! Non! Non, il est mort. Bon, on va créer un enclos pour animaux au moins. Ici, voilà. Un petit enclos avec des barrières qu'il faut encore faire parce que là on en a pas assez.
Donc on se fait des sticks et on se fait des planches aussi pour faire nos enclos les merveilleux. Voilà, donc là on ferme notre enclos. Et est-ce qu'on en a pile assez? Dites-moi qu'on en a pile assez. À peu près, ça va. Et là, on met notre porte. Bah moi, je la mettrais bien ici. Voilà la porte. Et là, on va attirer qui en premier? On va voir les cultures. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et oh putain, on amasse des poudres d'os du coup avec notre spawner. Où est-ce que j'ai mis de l'os? Oui, bah j'en ai plus du coup. Là, voilà des graines. Donc si on trouve des poulets, est-ce qu'il y a des poulets? Le poulet, c'est le plus intéressant à enfermer. Pardon, excusez-moi, c'est pas enfermé. Non, pas du tout, je les enferme pas. À élever, donc... poulet, poulet, poulet. Où y a-t-il du poulet? Sinon, on a les vaches, mais j'ai pas encore de blé. Donc, ça va être très... inutile. De la viande de zombie. C'est les restes de Roger ou pas? Non, ouais, non, Roger est mort plus loin. Mais peut-être qu'il a rien loot, en fait, dès qu'il est mort. Donc, bon, on a aucun mob. On va plutôt retourner à notre spawner, donc petite ellipse. Salut! Ayant fait une vidéo beaucoup trop longue pour l'épisode 2, je l'ai séparée en deux épisodes, donc le moment où il y aura le spawner et où je vais l'optimiser, ça sera dans l'épisode 2. Donc là, c'est l'outro de la vidéo, vu que du coup, j'avais pas pensé à la faire maintenant. Et même dans le record à la fin, j'avais pas pensé à la faire, donc je la fais maintenant. Donc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, là on est largement après, comme vous pouvez le voir, la base a un peu changé. D'ailleurs, il y a Gaga qui a mis un arbre sur mon toit. Je sais pas pourquoi, c'est juste pour faire beau. C'est pour améliorer le tas de merde, peut-être. Et j'ai un enclos avec Jacqueline. Enfin, non, Jacqueline, je sais pas si c'est déjà morte. Enfin, peut-être que c'était... non, on avait Roger. Non, c'était un squelette, l'autre. Bah non, bah on n'est pas Jacqueline, donc voici Jacqueline. Jacqueline qui est encore vivante depuis le temps, alors que Gaga est souvent sur le serveur et qui m'a même fait un troll que je vous montrerai à l'épisode 4 ou 5 normalement. Ça sera un peu avant d'aller dans le nether. Du coup, concernant le montage, en fait, là je le fais un peu tard et puis aussi par rapport au tournage, je le fais un peu tard. Parce que le tournage, bah, j'ai eu des problèmes de record. Les trois premiers essais, j'ai eu des problèmes de record. Et du coup, j'ai pu le faire que très tard, sachant qu'en plus j'avais... des révisions de bac. Les révisions de bac, ça va, ça le bloque pas énormément vu que je révise pas toute la journée non plus, mais du coup, ça a un peu ralenti le truc. Donc, moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Darkbo, tchuss!